Avant de continuer nos échanges, je tenais à remercier justement tous les membres du collectif qui ont travaillé depuis quelques mois à l'élaboration de ces programmes, de ce programme, de ces nouvelles idées. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ce programme n'est pas figé, hein, il continuera à évoluer dans la durée et dans le temps, mais s'il évolue, ce programme, ça sera surtout avec vous et pour vous. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura des commissions qui seront ouvertes, que ce soit les commissions municipales, les commissions de lieu-dit, les commissions de quartier, des réunions publiques. Mais quand je parle de réunions publiques, ben, quand nous parlons de réunions publiques, nous parlons de réelles réunions publiques, c'est-à-dire des réunions publiques où on vous donnera le micro, vous aurez la parole, ça ne sera pas que du descendant, ce n'est pas notre façon de fonctionner du tout. Donc, pour ça justement, c'est pour ça que notre programme, voilà, comme on vous l'a dit, l'a énoncé tout à l'heure, plusieurs colistiers, c'est des pistes. On a des pistes, grâce au recueil des questionnaires qu'on a eu, on a des pistes. Ça va évoluer, ça évoluera certainement, il faudra certainement que ça évolue en fonction de vous, de nos attentes, de nos besoins. Donc surtout n'hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez rejoindre le collectif qui, même après les élections, continuera d'exister par toutes ces commissions. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est avec vous qu'on pourra construire Renanceau de demain. Je tenais aussi à ne pas oublier, il y a un mot qu'on n'a pas dit, ou ce soir encore, c'est de parler de l'agglomération. Évidemment, notre territoire, c'est la commune de Renanceau, mais on appartient aussi à ce qu'on appelle une agglomération, la Roche Aglo. Il ne faut pas l'oublier, même si la Roche prend beaucoup de place dans cette agglomération, mais on sera là aussi pour défendre nos besoins dans l'agglomération. Donc on sera vigilant à tous les projets qui seront portés par l'agglomération et qui soient vraiment en adéquation avec ce que vous voulez, ce qu'on veut pour notre commune et pour le développement de notre commune. Donc n'ayez pas peur, on est motivé et prêt à aller à toutes les commissions de l'agglomération pour pouvoir défendre notre petit bout de gras, comme on dit, pour défendre notre commune, notre belle commune qui est Renanceau.